Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Never Ending Nightmare. Comme vous pouvez le voir, j'ai réglé le problème de micro. Enfin, je pense, hein, j'espère. Sinon, je vais devoir tout recommencer. Mais normalement, ça devrait le faire. On s'était donc arrêté après la mort par un zombie. Enfin, un fou avec une camisole de force, je sais pas ce que c'était, mais bon, on va voir. On va continuer. Ça m'a. Tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est le même endroit qu'en fait. Medical reception. Ah ouais, c'est le même endroit. Hein. Ah non, je vais pas faire demi-tour alors. Je vais continuer par là-bas. Oh, quoi? Quoi? Mais non! Pourquoi il est encore là, lui? Mais... What? C'est pas normal, attention. Bon, bah on va continuer. Par contre, j'ai vu un truc avec ses yeux. On dirait qu'il a les yeux fermés avec des... Enfin, c'est bizarre. Je vais y aller lentement, peut-être que... Peut-être qu'il me voit pas, hein, s'il faut, il est aveugle. Regardez ses yeux. Ah, il a l'air aveugle. Ah ah! Alors, on fait moins le malin, hein? Hein? Tu l'ouvres-moi ta grande gueule là, hein? Bon, bah, on va se dépêcher par contre parce que j'aimerais pas qu'ils m'entendent. Ouais, super! Donc on est passé, c'est bien. Je suis sadique hein, quand même. Je sais qu'il risque d'y avoir des screamers, mais je regarde quand même parce que bon, voilà, c'est beau. What? Un bras? Ah, j'essaye de vous faire peur un petit peu aussi. Parce que personnellement, moi, bon là, il est 21h10, mais il fait nuit quand même. Bon voilà, ça m'inspire pas confiance tout ça. Est-ce que j'ai fermé la porte à clé? Je sais même pas. Par contre, c'est... Le fait que ce soit tout... Tout identique, le décor, ça me fait peur. Enfin, identique à peu de choses près, hein. Mais c'est à peu près identique et ça fait encore plus une ambiance glauque. Franchement, c'est bien joué de la part du créateur. Allez, descend. Oui, c'est bien. Oui. Mais non, il n'y a pas de méchant en bas, t'inquiète pas. On redescend toujours. Oh là là, encore. Cellule 1. Cellule vide. Par contre, du coup, maintenant, j'ai envie de marcher. Hein. Oh, j'ai bien fait. Oh, il m'a entendu? What? Ça m'a fait flipper la main. What? Bon, il est pas plus grand, lui. Ils sont immenses. Ils sont géants. Là, il s'approche de moi, là, non? Eh, calme-toi, calme-toi. J'ai la chair de poule, là. Ça y est. Oula, la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger? Un bras humain. Oh, sympa. Un tartare au cœur. C'est génial. Ça ne m'inspire pas confiance tout ça. Ah ah, deux choix. Allez, on va passer par là. Hein. La première porte est toujours la meilleure. Sauf dans ce cas-là. Je ne sais pas du tout dans ce cas-là. Il n'y a rien du tout. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Allez, on marche. Doucement, doucement. What? D'accord, je crois que j'ai marché sur du verre ou quelque chose comme ça. Oh, je dois tout refaire. Oh là là. Oh la loose. Bon, j'ai compris le truc déjà. Il faut faire attention là où on marche. Voilà, là, par exemple. Ah non. Ah, c'est bah, c'est là que j'ai marché, en fait. C'est moi ou c'est des bouts de verre, là? Non.
Bon, ça va que je reprends pas au début, hein, parce que à chaque fois je reprends dans une des chambres. Oula, lui, il marche en biais. Tu veux pas marcher normalement, non? Oh. Mon Dieu. Ah, Block of Security. Non? Je vois pas où est la sécurité là-dedans. Hein. Allez, on redescend encore. C'est pas possible. Où vais-je atterrir? Regardez ses yeux un peu. Hein? Ah bah du coup quand je dis ça, il bouge plus ses yeux. Bravo. Alors faire attention par terre hein, quand même. C'est jamais. Du coup, je regarde plus sur les portes. Ça me fait trop flipper maintenant. Bon, il y a personne. Réveille-toi. What? Bah, j'aimerais bien me réveiller, oui. Retour à la vie normale. Ah, les douches. Je me disais aussi. Pour me réveiller, il me faut bien. Une douche de sang. What? Oula, lui il a essayé d'attraper le savon. Hein. Pardon, excusez-moi. Ah là là, je parle pas bien. Ils y sont allés sévères quand même. Pour continuer dans le délire. Oh, il y a des douches de partout, c'est fou. Allô, salut. What? Ouh là, là c'est glauque là par contre. Merde, il fait demi-tour. Enfoiré! Salaud! Jusqu'où il va? Ah non, il m'a vu. Mine de rien, ça me fait pas peur, mais j'ai quand même un petit. Un petit battement de cœur. Ouh là là, allez. J'espère qu'il va pas me voir. Vas-y, passe, 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 c'est le bon moment. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est glauque. Mon Dieu. Ouh là, tout le sang par la fenêtre là. Encore? Ouais. Ok, je vois. Je vois, je vois. On va pas bouger, on va attendre qu'il passe, tranquille. Je ne suis pas là. Je suis pas là, là 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 là. Ok, non, pourquoi je chante ça moi? Mon Dieu. C'est pour mettre une ambiance un peu plus joviale. Ok, ça laisse à désirer un peu. Wouah! Ah lui, il a pris cher aussi, hein. Manquerait plus qu'il y ait le gros bébé qui arrive. Ben. Oh là là, bon, quand est-ce que je vais me réveiller? Ce bruit à chaque fois, ça me fait flipper. Et pourtant, il n'y a rien. Enfin, je pense pas. Où suis-je? Ça n'en finira jamais. Ça fait au moins 36 fois que je passe par là. Encore? Tout n'est que. Tout n'est que.
Tout n'est que quoi? La suite dans la prochaine cellule. Non, même pas. Oula, des morceaux de verre. D'accord. Croyez que j'ai pas le choix? Allez. Je vais attendre qu'il soit le plus loin possible quand même. Et je vais marcher. Je vais faire un gros fakir. Il va où là? T'approches pas de moi s'il te plaît. Voilà, dès qu'il est le plus loin possible. Allez. Merde, il m'a entendu, il m'a entendu. Vas-y, cours, 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 rentre. What? What? Gabby, what's going on? I've told you repeatedly to address me as Dr. Smith. But you're my sister. I'm afraid you're mistaken. Where am I? You're in a lunatic asylum and have been for quite some time. Why am I here? Why do you think you're here? I don't know. We've reached the end of our session. Please see yourself out. What? Oh mon dieu. Le gars complètement maboule. Salut Gabe, ça va, Sorette? Pardon, psychiatre. Oh là là. What? Ah, parce que tu trouves ça normal, toi, ce qu'il y a dehors. S'il faut, je deviens ma boule, moi aussi. Oh là là, encore. Mon dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On a déjà lu ces messages. Oula, lui il va pas loin par contre. Ouais. Ok. Je vais la tirer. Et je vais rentrer vite. Encore par là ou pas? Ah non, il est retourné là. Hein. Comment je peux faire? Comment je peux faire pour passer? Si je bouge pas, là je le vois. Hein. Alors là, je n'ai aucune idée de comment je peux faire. Pourquoi il y a... Et en plus, il y a de la lumière. Oh, vraiment, mais comment je peux faire? Je peux pas jeter un truc ou non? Pas d'idée. D'accord, ok, j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Il faut que je l'attire, que je m'éloigne. D'accord, d'accord, d'accord. Ça risque d'être un peu compliqué quand même. Allez, allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Oui, j'ai trouvé, j'ai trouvé! Et alors, et alors, et alors? Tu ne me fais pas peur. Trouver quelque chose d'autre. Réveille-toi, mais j'aimerais bien me réveiller. S'il vous plaît, réveillez-moi. Oula, il y a du sang qui tombe du plafond, là. Les rêves hantent les coupables. Je suis innocent. Je suis complètement starbé. Oula. Tout n'est que mensonge. Je sais bien, heureusement, merci.
J'espère bien que tout n'est que mensonge, parce que c'est glauque si c'était pas des mensonges. Vous imaginez, vous retrouvez ça comme ça dans la vie réelle? Qu'est-ce que... Oula. Allez, tombe. Ah. What? Je suis un bébé. Pourquoi je suis un gamin maintenant? Ah, je peux donner des coups de lapin, c'est bien ça. Allez, donne un coup de lapin. Non? Comment on va appeler le lapin? On va l'appeler Chichi le lapin. Voilà. Allez, Chichi, viens avec moi. Personnellement, quand j'étais petit et que j'avais peur, j'allais pas parcourir la maison. Hein. Je restais dans mon lit tranquille. Ah, on va faire du cheval. Non, on peut pas. Oh. Surtout dans une maison aussi glauque, quoi. J'aurais pas bougé de mon lit. On se retrouve au tout début, en fait. Oh là là, s'il y a les gros bébés géants, je suis dans la merde. Qu'est-ce que c'est que ça? L'ombre. Ah, qui s'efface petit à petit en plus. Ah. Chichi, tu fais du bruit. Il fait pas très clair ici. Reste auprès de moi, Chichi, parce que j'ai peur là. Salut. Pardon. Je ne voulais pas te déranger. Waouh, vous avez vu ça? Je vais aller voir ce que c'était. Parce que je suis un fou, moi je m'en fous. Je n'ai pas peur. Il n'y avait rien. Oula, il m'a fait flipper ce mannequin. Ok. Rien de spécial ici. Je commence à avoir des frissons de fou. Il était déjà là, le mannequin, là? Si je revois ce mannequin... Ok, jusque là tout va bien. Ça fait flipper, mais rien d'extraordinaire. J'aime pas ces fenêtres. Là, il fait bien noir là. Oh, c'est pas qu'il fait noir, c'est qu'il y a une ombre. Qu'est-ce que c'est? Ouh.
Oh là là, ces petits détails comme ça, genre l'ombre, on n'est pas censé, n'est pas forcément obligé de la voir, mais quand on la voit. Oh mon dieu. Je suis complètement perdu. Hein. Je suis le chemin. Et là, on arrive à la chambre du tout début. Je dis pas que j'ai fait tout ça pour rien. Ah, oh, y a rien par là. Quoi, ce bordel? J'ai raté quelque chose ou bien... What? Il n'y avait pas une porte? Bon, apparemment c'est bien là parce que je me rappelle pas de ce cadre. Et je me rappelle qu'il y avait une porte. What? 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 Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? Non, non, je veux pas être dans le noir, je veux pas. Non, je ne te suivrai pas, non. Je te suivrai, mais dans un prochain épisode, parce que là, là c'est bon, c'est terminé. Non, je ne viendrai pas, je te dis. Wow. On se retrouve dans un prochain épisode et on va suivre ma petite sœur ou la psy, je sais plus. Enfin, je vous dis à tous, bisous, à bientôt pour le prochain épisode. J'espère que vous serez nombreux, bye bye.